sur le trône hein, d'Italie à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il a signé les fameux décrets des lois raciales hein, voulues par Mussolini et qui étaient aussi inspirées par Hitler visant les Juifs d'Italie. Et vous avez, vous, décidé cette semaine de demander pardon. Pourquoi maintenant ? Bah, j'ai décidé de demander pardon et de condamner ces abominables lois raciales parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Ce n'est pas la première fois que j'ai écrit une lettre à la communauté juive italienne. Nous avons écrit en rentrant en Italie en 2003 une première lettre que j'ai remise personnellement au grand rabbin de Rome où nous condamnions ces lois raciales, mais on voit de plus en plus autour de nous une montée de l'extrémisme, une montée du racisme. Et je crois que c'est important de faire un acte fort, un acte qui a eu quand même un très grand retentissement, et de condamner, même si je condamne un acte d'une personne de ma famille, mais je le condamne fermement, parce que, à mon avis, c'est juste ainsi. Et c'est en fait, j'aimerais démontrer, et c'est un exemple que j'aimerais faire pour dire non. Nous ne pouvons pas avancer. L'Italie ne peut pas avancer, ne peut pas regarder un futur si on n'arrive pas à juger notre passé et à le juger d'une façon concrète et d'une vraie façon. Alors, vous dites hein, dans votre lettre « Je demande pardon, mais je n'attends pas de pardon ». C'est vrai que l'accueil a été un peu tiède de la part de la communauté juive en Italie cette semaine. Ça vous a surpris ou pas ? Alors non, parce que avant d'écrire cette lettre, j'en ai parlé aussi avec le grand rabbin de Rome, et il m'a dit, écoute, c'est une lettre qui est très noble, elle ne regarde que vous, mais nous ne pouvons pas donner le pardon pour les personnes, nous ne pouvons pas pardonner au nom des personnes qui ne sont plus là. Et je lui ai dit, mais je n'attends pas le pardon, en fait, je pardonne cet acte, je condamne cet acte, mais je n'attends pas le pardon. C'est vraiment une lettre qui est sortie, c'est un cri du cœur, c'est un homme qui écrit une lettre en pensant à ce qui s'est passé et qui en fait, après, la met sur les réseaux. C'est en fait, c'est vraiment un cri du cœur que j'ai voulu faire. Comment est-ce que vous avez contextualisé un petit peu l'attitude de votre arrière-grand-père, parce que c'est vrai qu'il était roi d'Italie, mais enfin, c'était Mussolini hein, qui conduisait le pays. Comment vous expliquez qu'il ait été quelque peu emporté dans cette époque où l'antisémitisme a pris le dessus ? Ben, il faut savoir que ma famille a été, disons, une des premières familles royales, et c'est le roi Charles Albert, qui avait donné la parité aux Juifs dans le statut albertain. On a toujours été très, très proches des communautés, et très proches aussi, même maintenant, je veux dire, d'Israël. Moi, je suis très proche d'Israël, et j'ai énormément, énormément d'amis, et je vis même souvent en Israël. Ce qui s'est passé en 1938, c'est en fait le roi régnait mais ne gouverne pas. L'Italie est une monarchie parlementaire. Et Mussolini a voulu faire passer ces lois qui, par trois fois, le roi a redemandé au Parlement s'ils étaient sûrs de leur vote. Il faut savoir que malheureusement, ces lois en Italie ont été votées à la majorité absolue au Sénat. Il n'y a eu, je crois, que neuf voix contraires. Et le roi, par statut, a dû les signer. Maintenant, moi, où je condamne cet acte, je le condamne à cause de la responsabilité, disons, d'un roi. Le roi est le roi de tous les Italiens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient juifs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. Et donc, c'est la condamnation de cet acte et de cette signature. Donc, il a en fait été emporté par l'élan de Mussolini, la peur aussi de s'il ne les signait pas, qu'est-ce qui se serait passé ? Il aurait pu abdiquer, mais abdiquer, ça aurait voulu dire donner encore plus de pouvoir à Mussolini et donc à Hitler. Ou alors, il aurait pu faire un coup d'État, mais le coup d'État n'aurait pas marché, parce que Mussolini avait tous les pouvoirs en main et avait l'armée en main. Donc, malheureusement, il les a signés. Il les a signés à contre-cœur, mais ce n'est pas pour ça que la responsabilité, en tant que roi, en tant que représentant de tous les Italiens,
est malheureusement aussi la sienne. Alors, ce qui complique encore plus hein, le contexte de l'époque en Italie, c'est que des membres hein, de la famille royale, donc de votre arrière-grand-père, ont eux été déportés dans des camps nazis. Hein. Oui. Les deux filles du roi Victor Emmanuel III, Mafalda et Maria, ont été déportées parce que, à la fin de la guerre, quand mon arrière-grand-père fait arrêter Mussolini, Hitler demande. En fait, Hitler voulait faire plusieurs choses. Hitler voulait prendre mon père à l'époque en otage. Et mon père est parti avec sa mère, la reine Marie-Josée, en Suisse, où ils ont été accueillis. Mais voilà que Mafalda et la princesse Maria sont prises et vont dans des camps de concentration. Malheureusement, Mafalda meurt à Buchenwald après à la fin de la guerre. Voilà. Et votre arrière-grand-père, hein, lui, après la guerre, a quitté le pouvoir, hein, il a abdiqué, puis il a fini ses jours en Égypte, où je crois d'ailleurs sa dépouille est toujours là-bas. Il n'a jamais été rapatrié en Italie. Non. Alors, mon grand-père est mort en Égypte et la dépouille est rentrée en Italie il y a 2 ans. Mm-hmm. Et il repose au Piémont, à Vicoforte, en ce moment. Bon, vous espérez que cela ramène peut-être dans l'esprit des Italiens peut-être une image de nostalgie pour la royauté ? Non, vous parlez de la lettre ou vous parlez de la dépouille ? De votre lettre. Non, j'espère simplement que cet acte en fait fera réfléchir et serve en fait à ne pas nous cacher, à ne pas nous bander les yeux et à pouvoir parler librement de ce qu'on pense et surtout à pouvoir comprendre un peu mieux ce qui s'est passé et pour pouvoir regarder devant nous.